Ouais. Ah, c'est tout mal, on s'interrompt. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la Gévautour. À une hauteur de 45 mètres, vous allez découvrir l'étonnante diversité du site du Futuroscope. Fondé par René Monory, né d'un projet d'aménagement du territoire ambitieux, le concept du Futuroscope s'articule autour de quatre pôles. Le loisir, le travail, la recherche et la formation. Depuis son ouverture, le parc du Futuroscope a accueilli près de 40 millions de visiteurs. Ces pavillons signés par l'architecte français Denis Laming sont répartis sur plus de 60 hectares. Chaque année, le parc investit 10% de son chiffre d'affaires pour renouveler 20% de ses attractions. Grâce à ce renouvellement, 60% des visiteurs viennent redécouvrir le parc aujourd'hui. Autour du parc de loisirs, c'est une vaste technopole qui s'est peu à peu développée. Premier lycée université de France en 1987, le lycée pilote innovant international forme des étudiants de la seconde à Bac plus 2. Sur la technopole, ce sont aujourd'hui 30 organismes de formation et des écoles d'ingénieurs qui se côtoient. Les travaux des laboratoires de recherche, notamment ceux du CNRS, y constituent 10% de la recherche française dans le domaine des sciences de l'ingénieur. 260 entreprises, un centre de congrès international et un vaste parc hôtelier se sont également implantés sur le site qui, chaque jour, voit évoluer 5500 salariés, 700 chercheurs et plus de 2100 étudiants. À lui seul, le Futuroscope a permis de créer 4700 emplois directs sur le site et 3500 emplois dans le département. Plus de 20 ans, le Futuroscope et sa technopole ne cessent de se développer, misant avec succès sur l'innovation, la recherche et la créativité pour nous permettre d'apprivoiser le futur. Je suis le guide. Non, je te désigne comme guide. Mais je ne sais pas.